Gentlemen and gentlemen! Voici l'histoire de messieurs Arthur Cravant, Jacques Rigaud et Jacques Vaché. Peu de gens les connaissent. Leur vie fut courte et leurs œuvres encore plus. Je suis poétesse de Faubourg. C'est Mina Loy que je vais épouser. Je la respecte avec la timidité des girafes pour la lune. J'aime Arthur Cravant. Jeune homme, pauvre, médiocre, 21 ans, main propre, épouserait femme 24 cylindres, sotte, érotomane ou parlant la namite, écrire Jacques Rigaud, 73 boulevard du Montparnasse, Paris. Je l'épouse à New York le 15 janvier 1926. Je l'épouse parce qu'elle est américaine et qu'elle possède une fortune considérable. Je suis riche. Ich. Quelle âme se disputera mon corps? Ah, j'entends la musique. Serais-je entraîné? J'aime tellement la danse et les folies physiques que je sens avec évidence que si j'avais été fille, j'eusse mal tourné. Mais depuis que me voilà plongé dans la lecture de cet illustré, je jurerais n'avoir vu de ma vie d'aussi féeriques photographies. Les affaires, tout ça, vous êtes sérieux? Je n'ai jamais pris grand-chose au sérieux, monsieur Barbeur. Enfant, je tirais la langue aux pauvresses qui, dans la rue, abordaient ma mère pour lui demander l'aumône, et je pinçais en cachette leurs marmots qui pleuraient de froid. Chaque fois que j'ai pu tromper la confiance d'un ami, je ne crois pas y avoir manqué. Mais le mérite est mince à railler la bonté, à berner la charité, et le plus sûr élément de comique, c'est de priver les gens de leur petite vie. Un type qui a eu les couilles de faire pendre 50 salauds nègres, ma botte. Et c'est lui qui a chanté à l'église le dimanche de Pâques que mes poèmes élèvent le Kentucky si haut qu'on le voit de la Chine.